Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait froid ici? J'ai beau augmenter le chauffage, mais y a rien à y faire. Hé, hey, Jackie, on t'a entendu dire que t'avais froid? Ben vous êtes où? On est sur la plateforme géothermique du BRGM à Orléans. D'ailleurs, allons voir Mickaël pour plus d'informations. On se retrouve là-bas? D'accord. Bonjour Mickaël, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne la plateforme géothermique? La plateforme géothermique du BRGM est un laboratoire de tests destiné aux échangeurs géothermiques des maisons individuelles. Et alors, à quoi ça sert? L'objectif de la plateforme est d'optimiser les performances énergétiques et environnementales des échangeurs géothermiques en les testant en conditions réelles d'exploitation. C'est exact. On peut ajouter que la géothermie est la science qui étudie les phénomènes thermiques du globe, mais aussi comment on peut exploiter la chaleur du sol pour produire de l'électricité ou pour se chauffer. Plus on creuse profondément dans le sol, plus la terre est chaude. Ainsi, en faisant circuler de l'eau dans le sous-sol par des tuyaux, il est possible de récupérer les calories de la terre et de chauffer sa maison sans brûler l'atmosphère. Et alors, comment ça marche ? Allons voir sur place. Let's go ! Ici, c'est la machine thermodynamique. Elle permet d'imposer la température et le débit au départ de chaque circuit d'échangeur géothermique. À quoi ressemble un échangeur géothermique ? Il en existe de différentes formes. Sur cette plateforme, on en teste trois types différents. Derrière nous, nous avons un échangeur géothermique horizontal qui est enterré sous une pelouse à 1 mètre de profondeur. Nous avons ici une sonde géothermique verticale mise en place dans un forage à 50 mètres de profondeur. Et là, au fond, c'est quoi ? Alors ici, nous avons des corbeilles géothermiques. Ce sont des échangeurs qui sont sous forme de ressorts, enterrés de 1 à 10 mètres de profondeur. Ah bah vous êtes là, dis donc, je me suis perdue, c'est super grand ici. Comment vous avez fait pour financer tout ça? Le BRGM bénéficie du soutien du FEDER et de la région Centre pour ce projet. En particulier, le FEDER finance à hauteur de 40% la plateforme. Le Fonds européen d'investissement a été créé en 1994 pour fournir du capital à risque aux petites et moyennes entreprises. Il a pour actionnaire majoritaire la Banque européenne d'investissement. Merci Mickaël pour toutes ces explications. De rien, au revoir. Au revoir. Alors Jackie, qu'est-ce que t'en penses? Très bien les filles. Seulement aujourd'hui, on connaît très peu de choses sur la chaleur qu'émet notre Terre et comment en profiter. Mais les fonds européens permettent d'effectuer des études à ce sujet. C'est pourquoi ils sont vraiment importants. Bah les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Hé, tu vois Jackie? Nous, grâce aux fonds européens, on n'a pas de coup de pompe. Les filles, seulement aujourd'hui, on ne connaît seulement tous. Le Fonds européen d'investissement a été créé en 1994. Plateforme géothermique. La plateforme géothermique du BRGM est un laboratoire destiné aux échangeurs géothermiques, je sais plus ce que je dis. Et alors, à quoi ça sert? L'objectif de la plateforme, c'est de... je sais plus. Alors, comment s'est fait les échangeurs géothermiques? À quoi sert un échangeur géothermique? Non, à quoi ça ressemble? Comment vous avez fait pour financer tout ça? Le BRGM bénéfice. Sauter un petit peu de temps en temps aussi. Ah, trop bien. Ouais. Et tu vois, Jackie, nous, grâce au Fonds européen, on n'a pas de coup de pompe. Oh non. Tu vois, Jackie, nous, grâce au Fonds européen, oh non.